Zelda no Densetsu, Breath of the Wild, Zenkai Madewa. Nokimihi, enchanté monsieur, vous avez une drôle de boule qui flotte dans les airs. Simultanéité. Oh, je sens que ça va être la merde. Pour bloquer le vent. Bloquer. Pourquoi vous voulez que je bloque le vent ou juste en fait? Il est très bien le vent, il a rien fait le vent, il est gentil le vent, c'est quoi votre problème? C'est parti. Oh oh! T'es dans l'ambiance équipée, toi, dis-moi! Ouais, je commence à connaître vos patterns. Allez! Bim bim bam boum bim boum! Tiens! C'est moi le boss! Ah, quelle satisfaction! Il est trop mignon comme ça quand même. Ah, le Link d'Ocarina of Time, ça reste mon Link. Mon préféré. そして私たちの大冒険は今続いている。Alors comme promis, on va reprendre la trame scénaristique et on va essayer d'aller sauver ce cher bonobo. Yunobo. Et je crois que je vais l'appeler bonobo parce que je trouve ça très très drôle. On va essayer d'aller le sauver, le pauvre chat. Voilà. J'ai besoin de me remettre un petit peu en main les commandes parce que ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Je ne me souviens plus la dernière fois que j'ai joué avec Link, qui m'avait beaucoup manqué. Donc je suis désolée si je suis un petit peu kakowarui, comme on dirait en japonais. C'est-à-dire que je n'ai pas trop la classe parce qu'il faut que je me rappelle des commandes. Mais on va faire au mieux. Bien. Il est allé là-bas, donc allez hop. Montagne de la mort, sixième palier, mine abandonnée du nord. Niveau de chaleur extrême, on n'entre pas si on n'a pas une bonne raison, compris? Eh ben j'ai une bonne raison, il faut que j'aille sauver Bonobo, donc voilà. C'est une assez bonne raison pour vous? Bien, on va essayer d'explorer, enfin pas d'explorer, mais de voir un petit peu le terrain. Oh! Bah les pattes, c'est le canon du boss! Surtout ne touche pas au levier, hein? Pas touche! J'ai très envie d'y toucher. Une petite bombe. Et un petit coup de massue. Attention. Et go. Oh. Hein. Ah, これか. こうして. Ah, je me suis trouvée cosse. Non plus. Bah, comment on le fait exploser? Ok, le levier, ça le fait juste bouger en fait. Ah, mais il y a un caillou dedans. Ça c'est génial! Encore! Vas-y! Vas-y! Recommence!
Attention, parez capitaine, feu! Bon, c'est amusant. Ils ne me voient pas, ils ne me voient pas. Mais moi, je les vois. Alors, est-ce que je vais être assez... Ça fait longtemps que j'ai pas tiré à l'arc. Wow, olé! Tu n'as rien vu. Non, tu n'as rien vu. Enlève-moi ce point d'interrogation sur ta tronche. Parce que tu vas crever, c'est à ton tour. Et voilà. Ok. C'est parti, mon kiki, I guess. Chargé! Oh non, ça n'a rien fait, c'est pas drôle. Parce que si je fais ça... Ouais, il revient là en fait. Et là, ça me fait tirer sur copain, donc je vais pas m'amuser à tirer sur copain. Parce que ça se fait pas de tirer sur les poteaux. Hein? Non, ça se fait pas du tout. Oh, je t'avais pas vu! Madame la créature divine des Gorons. Allez, grimpe, chouchou. Wow! Il m'a vu? You wanna die? Because I can kill you. Oh, un petit peu plus loin. Tiens, t'es content? Die. You too. Voilà. Oh, que c'est pratique de savoir manier un arc. Y a pas à dire. Alors, ça je pète. Je pète et je... Pas ça que je voulais faire. Voilà. Je pépète. Et je ramasse des pépettes en même temps. Et les espèces de gros cailloux rouges qui ne me disent rien, qui vaillent. Et ma... Kishkanai, ne? Ika! Wouhou! Bien joué, Link. Tu es le meilleur, je t'aime, chérie. Hop! Hop là! You wanna play that game? You can't beat me! You can't, because I'm the fucking best at this game. You see? Oh bah zut alors, je me bouffe tout le fun. Je pourrais tous les buter avec ces canons, mais non, moi il faut que je fasse genre, je suis trop forte avec mon arc. Ah, c'est même plus drôle. Yahoo! Oh Link! Oh, ça va chérie, c'est bien. Bah zut alors. Moi aussi je veux jouer avec les canons. Voilà, il y en a un. Oh! Bah je suppose que c'est pour vous buter, donc je vais peut-être aller faire un tour là-bas en fait. Wouhou! Permettez cher ami, permettez! Allez hop, la boum! Oh Link, c'était... Merci! Ouh! Ouais, c'est vraiment un truc de rail, vous avez vu ça? Oh, je sens qu'il y a un truc que je vais pas aimer. Il va y avoir un truc avec un canon sur un rail et puis il va falloir bombarder je sais pas quoi. Messieurs, dames, je vous propose de vous prendre une bombe dans la gueule. Ah merde, d'accord, c'était pas à l'œil, mais c'est ça par contre. Oh, c'est pas grave. Moi, ça me va. Hein. Feu! Oh! Amazing ma gueule. Ok. Eh bien. Mais je rêve, il essaye toujours de me tirer, lui. Mais cherche pas, mec. Mais Link, qu'est-ce que tu fais, amour? Descends là. C'est pas le moment, chérie, mais vraiment pas le moment. Tu vois, il y a ces gens-là qui se disent ouais, vas-y, nous on s'est tiré à l'arc. Vas-y, t'arrives à ma voix? Non, parce que t'es trop nul. Moi, par contre, je suis sûre que je peux t'envoyer. Je crois que je suis quand même un peu trop loin.
C'est qui le master de l'arc ici? C'est moi! Bande de gringalets! Ok, alors... on va prendre le truc là. Allez, Link. Vas-y, chérie. C'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Tu es le meilleur. Tu es le meilleur, je t'aime. Tout le monde, il est beau. Tout le monde, il est gentil. C'est les bisounours, c'est parfait. Alors, du coup, je suppose que... Alors, il y a encore un canon ici. Ah, ah. Je les ai tous butés, là. Je vais aller voir s'ils n'ont pas laissé des trucs. Et je vais aller prendre le canon là-bas. Mais... Oh! Mais si j'avais su qu'il y avait des canons, mais j'aurais pas eu peur et j'y serais allée tout de suite! Enfin, après, vous me direz, là, j'utilise pas trop les canons et j'arrive quand même à buter tout le monde. Donc, il faut que j'ai un peu plus confiance en mes compétences d'archère. Ah, qu'ils ne sont pas à jeter. Ouais, ça me va bien, baby. Ok. Oui, je sais qu'il y a un sanctuaire à proximité, on va aller le trouver. Je suppose qu'il est pas loin de Bonobo. Il fait nuit! J'adore quand il fait nuit. Ok, donc j'ai dit quoi? J'ai dit le... Le canon là-bas. Bon, par contre, je suis pas très confiante pour affronter la créature divine ni le boss, hein. Franchement... Bon, après, à chaque fois, je me suis prise la tête et je m'en suis très bien sortie. Vous me direz, je suis pas morte, mais... J'ai pas peur, mais c'est toujours autant impressionnant et c'est ça qui est chouette. Feu! Ce truc est génial! Oh, je suis fan! Ah, mais c'est ça le sanctuaire! Non? Alors, je crois savoir quoi faire, mais... Ah si, c'est bon. Ok. J'aurais pas dû faire comme ça. C'est pas grave, on va recommencer. Ah, t'as pas repris ton... Normalement, c'est censé... Je crois. What the fuck, please? Bah, il me semblait que ça faisait... Oui, j'ai vu que t'étais coincé, poteau, mais là, tu vois, j'ai un petit peu des problèmes à savoir comment te sortir de là. Ah, parce que... Kiko était lui, oh! Mon dos, c'est les bas. Oh, là, il voit trop mignonne, mon dieu. Ok, Ah, quand même. Il avait un bouclier? Ça va, Bonobo? Koro? C'est moi qui t'ai sauvé, je suis pas un monstre. Bonjour. Mais t'as un lien? C'est toi qui as cassé le rocher? Merci, je te dois une fière chandelle. Qu'est-ce que tu fais dans un endroit pareil? Je cherche une obo. Ah bon? C'est le boss qui t'a envoyé me chercher? Oh, merci infiniment de m'avoir sorti de ce pétrin. C'est moi. En fait, je m'appelle Yun, mais tout le monde m'appelle Yunobo. J'étais venue chercher les antidouleurs du boss, mais une boule de feu a fait tomber un rocher qui a bloqué l'entrée. Au fait, comment tu as fait pour détruire le rocher qui bloquait l'entrée?
Les canons? Le canon du boss? Ce truc est tellement difficile à manier que seul le boss arrive à l'utiliser. Ah, ce n'est pas le moment de papoter. Il faut vite que j'apporte des antidouleurs au village. Désolée, mais je dois y aller. Passe donc plus tard, salut le boss. Même s'il n'est pas toujours très courtois, il sait faire preuve de gratitude. Je suis sûre qu'il voudra te récompenser. A plus tard. Au revoir. Il a une bonne bouille. Alors par contre, du coup, les fameux canons, j'aime pas trop ça. À mon avis, il va falloir tirer avec des canons sur la créature. Et je n'aime pas trop cette idée. Bon, il y a des coffres, récupérons les coffres. Mon amende m'a échappé. Ok. Je m'en fous le compartiment des armes plein. Yes! Donc c'est là que t'allais chercher tes antidouleurs? C'est bien loin. Et voilà. Mais arrête de jouer avec les canons du boss! Il faut surtout pas remettre d'explosifs dedans, sinon il va tirer des boulets. Ok. J'ai compris toute seule. Au revoir. Bien. Oh là là. Toi, je t'aime. Oh! Oh! À tes souhaits, I guess. You. Boom. Ah oui, ça tape vraiment en mode random, quoi. Génial. Monsieur le chef du village, j'exige un bain dans vos sources thermales, si vous en avez, afin de me reposer, s'il vous plaît. J'ai des courbatures. Monsieur le chef. Oui. Eh, gringalet en vadrouille. Lunobo m'a tout raconté. Il m'a expliqué que tu l'avais aidé. Comment tu l'avais aidé? Tiens, prends donc ça en guise de récompense. Les Iliens comme toi ont besoin de ce genre de truc, non? Ta sacoche est pleine à craquer, gringalet. Fais un peu de place et reviens me voir après. Ah non, Daruk, maintenant que j'ai pris mes antidouleurs, je vais pouvoir aller retrouver Yonobo. Je voudrais pas manquer de respect à Daruk, mais il faut qu'on aille botter les fesses de ce bougre de Rudania. Daruk? Tu ne connais pas le grand Daruk, prodige des Gorons? Tu vois la statue là-bas? C'est notre grand Daruk. La statue? Ah, je me demandais d'où elles venaient ses mains. Oh oui, un souvenir. Go baby.見ろよ。あの美しいゴツゴツした馬そうな岩の尾根。厄災ガノンってやらがどんなやつか知らねえけどよ。俺は必ずこの景色を守ってみせるぜ。なあ、相棒。そういや、おめえを姫さんお月の騎士に選んだのは ハイラル王だってな。直々の指名じゃねえか。頑張んな。まあ、あの姫さんはちーと気合入りすぎっつーか、余裕がねえっつーか。特におめえには。なんだ。 Wow. しかしなんだ? ここ数十年
デスマウンテンは静かだったのによ。しかも落石が起こるほど山が荒ぶるってことは、いや、まさかな。Oh, c'est un chouette perso. Figure-toi que ce bouc de Ninobo est un descendant du camp Daruk. C'est pour ça qu'il peut utiliser le bouclier de Daruk. Du coup, il se met en boule dans un canon, déploie le bouclier, et moi je tire pour l'envoyer percuter Rudania. Parce que t'imagines bien qu'avec des boulets de canon ordinaires, impossible de faire bouger ce fichu lézard. Non, Narok, trêve de parlotte. Il est l'heure d'aller repousser ce bougre de Rudania dans son trou. Oui. Ça va? Ça va. Ça va pas du tout gringaler. Nom d'une vieille caillasse, on dirait bien que je vais pas pouvoir bouger de la journée. Gringaler, ça te dérangerait pas d'aller dire à Yunobo qu'on va pas pouvoir s'occuper du lézard? Il doit être du côté du pont d'Ordine. Ok. Le pont d'Ordine. Dokuda Solea. Ah, et ben voilà les sources que je voulais. Montagne de la mort, 5e palier, source chaude Goron. Effet soigne la fatigue. Qui est là? Qui ose me déranger pendant ma cure thermale? Un touriste? Tu visites Hyrule? Comment est l'eau? Tiède. En fait, elle est pas du tout assez chaude à mon goût. C'est pas souvent qu'on voit des touristes aussi bien équipés contre le feu. Mais surtout, ne t'approche pas de Rudania. Même avec le meilleur des équipements contre le feu, si tu t'approches du rampant, tu seras réduit en cendres. En ce moment, c'est pas possible de franchir le pont d'Ordine. Le boss l'a relevé pour bloquer Rudania. D'accord, merci. Et toi, petit, tu voulais quelque chose? Bien sûr que si. Ok. On va faire comme si j'avais rien entendu. Accès à la montagne de la mort, pont d'Ordine. Bon ben Link, on ira piquer une petite tête quand on aura fini de s'occuper de Varudania. Ah. Au secours! Bon, ça va, ça m'a pas... Ça m'a pas pété mon kill. Bon. Oh merde! Chérie, debout. Wow. Link. Allez chérie, debout. Putain, tu mets 3 plombes à te relever. Ça, c'est vraiment pas... Tu vas te calmer, toi? Arrête! Ah, je me demandais pourquoi je pouvais pas l'avoir. Waouh, t'es trop fort! Tu m'as encore sauvé! Tu sais, mon poteau, si t'es un descendant de Daruk, il faudrait peut-être te bouger un peu le fion. Il faut que je me remette les esquives en tête. Bon, alors, ce que je propose, c'est que j'ai pas encore sauvegardé depuis tout à l'heure. Voilà. C'est mieux. Je te donne une fière chandelle. Si t'avais pas été là, je sais pas ce que j'aurais fait. Le boss n'est toujours pas là, je me demande ce qu'il fabrique. Il a annulé.
Un quoi? Vraiment? Mais pourquoi? La mal au rein? Les antidouleurs n'ont pas fait effet, c'est argent. On a tellement de mal à mettre la main dessus. Enfin, si le boss peut pas venir, ça sert à rien d'attendre. Je vais rentrer, tant pis. Attends. Hein, quoi? Pourquoi? Je veux piloter Rudania. Quoi? Tu veux entrer dans la créature divine? Tu te prends pour le grand arrêt, ma parole? C'est bien trop dangereux. Si tu parvenais à l'affaiblir, tu réussirais peut-être à pénétrer à l'intérieur, mais bon. Mais pourquoi? Je comprends pas tout, mais ce que je sais, c'est que tu as tes raisons. Le problème, c'est que le boss a relevé le pont d'ordine pour que Rudania vienne pas par ici. Du coup, pour s'approcher de la bête, il faut d'abord abaisser le pont. D'habitude, c'est le boss qui s'en charge avec son canon. Sans le boss, on pourra pas se servir du canon pour abaisser le pont, on est bloqué. Ah mais, maintenant que j'y pense, tu sais te servir des canons du boss, toi, pas vrai? Alors on pourrait peut-être se passer de lui. On va s'organiser comme on fait d'habitude avec le boss. Je joue le rôle du boulet et toi tu tires. T'es sûr? Je peux utiliser le bouclier de Daruk que m'a transmis mon aïeul. Avec ça, crois-moi, je crains pas les chocs. Je peux percuter n'importe quoi, ça fait même pas mal. Mon aïeul, le grand Daruk, était quelqu'un de vraiment exceptionnel. Enfin, c'est ce que m'a dit le boss. Et moi, ben, je peux me servir de son pouvoir spécial, le bouclier de Daruk. Donc t'as aucune inquiétude à te faire, il te suffit de viser le pont d'ordine et de tirer. Mais n'y va pas trop fort quand même. Ça t'est jamais venu à l'idée que je ne savais peut-être pas viser? Non. Parce que tout à l'heure, j'ai eu du mal à te sortir de ton trou. Oh, jeez. Ah, mais en fait, il est pile en face. Oh, mais c'est complètement débile. J'aurais pu m'éviter d'être ridicule. Puissant, hein? Allez, encore une fois, je veux encore faire le boulet. D'abord, on traverse le pont en chantant. Oh non, regardez, il est juste là, je veux pas y aller.